L'intitulé du stage, c'est vraiment « Démarrer un rucher familial ». L'idée, c'est que les personnes à l'issue du stage sont en mesure, effectivement, de commander un essaim l'année d'après et de démarrer le rucher. On intervient, alors, des fois, c'est remplacer un cadre, mettre une hausse, faire un peu de nettoyage. J'aimais déjà ça, si vous voulez. Et puis, on nous a proposé au château de faire une formation, puisqu'on parlait en plus de développer ça un petit peu avec une jachère fleurie, vous voyez. Alors, bon, j'ai dit, ce serait l'occasion. Ah ben là, c'était quand même intéressant, parce qu'on a eu quand même la théorie, là, le matin, et puis la pratique. On a ouvert pas mal de ruches, en plus, aujourd'hui. Cécile nous a bien expliqué. Les abeilles sont avant tout, elles font leur vie. Moi, j'interviens ponctuellement, rarement, le moins souvent possible, justement, pour ne pas déranger les abeilles qui, ne l'oublions pas, vivent dans le noir. C'est ça ? Avec le miel, hein ? D'accord. Miel, moi, je ne mets pas de sirop. Ma pratique, c'est une pratique, on va dire, d'apiculture douce, respectueuse de l'environnement. Au niveau du traitement des maladies, par exemple, moi, j'utilise que des huiles essentielles. Ben, l'idée, c'est que vraiment, les personnes, à l'issue du stage, si elles sont vraiment décidées à avoir une ruche ou deux, enfin démarrer un rucher familial, et ben mon objectif c'est que ça marche.